Salut à tous, vidéo faite aux débeautés pour justement vous montrer à quel point la bêtise humaine, d'ailleurs j'ai envie d'en rire parce que c'était tellement gros que mieux vaut en rire, la bêtise humaine, la haine et le rejet de l'autre peut donner. Quand on voit le succès de Cyril Hanouna, on ne s'étonne plus. Donc, tout a commencé avec cet article concernant un coup de gueule de Lagout qui m'a demandé de rédiger par rapport au problème de financement de ses services. Et tout se passait pas trop mal dans les commentaires jusqu'à ce que je reçoive cette petite prose. Je tiens à préciser que toutes les IP seront marquées en clair pour une simple et bonne raison. Je considère, vu le profil des personnes en question que j'ai déjà connues, que soit ce sont des IP qui passent par Tor, donc courage zéro, soit par des IP qui passent par des proxys anonymisants, donc courage zéro. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà. Donc, je vous conseille de prendre chaque image, la mettre la vidéo en pause et de déguster tel un bon petit repas, se concentrer de haine et se concentrer de mauvaise foi et se concentrer d'attaque bassement sous la ceinture. Vous allez comprendre à quel point on peut se dire que le logiciel libre est mal barré quand on voit telle personne. Voilà, je vous laisse apprécier, je ne vous en dis pas plus. Ah si, bon appétit, mais avant toute chose. Et avant de vous lancer tout, un bon conseil, allez faire un petit tour aux toilettes, videz-vous la vessie, parce que vous allez sûrement exploser de rire. Et je n'ai pas envie d'avoir des personnes qui me disent, oui j'ai des problèmes, il a fallu que j'aille aux urgences en vitesse parce que j'ai fait un éclatement de la vessie. Voilà, vous êtes prévenus, on est parti. Première image. Miam miam. Voilà donc, je vous le mets en un peu plus gros. Et mettez en pause. Bien sûr, tous les commentaires ont été détruits. C'est bon, vous avez apprécié? On peut passer à la seconde? On est parti. Là, je vais voir la seconde image que je me suis gouré avec. Mais c'est une image matée. Donc là, c'est une répétition. Désolé. Donc, je vous mets la première partie. Voilà, je grossis suffisamment le texte. Voilà, maintenant appréciez. C'est bon, vous voulez un petit dessert? Mais pas de problème, je vous fournis même le pouce café avec. On est parti. Et numéro 3. Voilà, il y avait déjà le premier commentaire. Voilà. Et en plus de ça, c'est par troupeau que ça se déplace. Voilà. Je vous le mets comme ça. Maintenant, vous pouvez mettre en pause. Voilà, on va quand même voir si les adresses IP en question sont fausses, comme ça au moins. Donc, on va faire un petit whiz. Donc, la première IP, c'était 193. Whiz 193.51. 193.51.246.65. Attendez, je n'ai pas mis Wiz. Parker-moi, Wiz. Désolé. Je vais passer Wiz. Voilà. Alors, Wiz, on avait dit 193.51.246.65. Donc on apprend que c'est une personne qui travaille à, enfin, si ce n'est pas une adresse, enfin, si ce n'est pas une adresse qui est truquée, une personne qui travaille à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. J'espère pour la personne en question
que ce n'est pas le cas, parce que je pense qu'il y a des personnes qui, dans le service en question, seront intéressées de savoir ce qui se passe. Deuxième adresse, deuxième et troisième adresse. Donc, alors, nous avons dit... Claire. Donc, des personnes qui sortent depuis le travail, c'est pas bien, hein? Vous allez avoir des emmerdes. Mais si vous avez des emmerdes, ce sera pas mon problème, parce que vous l'aurez cherché. Alors, Louise, 185.39.169.118. Toujours Lille. Étrange, hein? On est toujours dans la région de Lille. Lille, Vinsdask. Dommage pour la pour de Vinsdask. C'est pas bien, hein? Et pour finir, 80.32, 80.12. Louise, 80.12. Point 38, point 218. Et là, cette fois-ci, on s'aperçoit que c'est une personne qui apparemment travaille chez Orange ou un réseau Orange. Donc, bravo pour les personnes qui surfent sur un blog d'un petit blogueur qui n'a peu ou pas d'influence. Bravo, bravo, bravo. J'espère que vous n'aurez pas d'ennuis avec votre hiérarchie. Si vous en avez, c'est pas mon problème. Vous avez tendu le bateau pour vous faire battre. Bien fait pour vous. Allez, salut, bande de losers. Ouais! Désolé, ça fait du bien. Ciao!